amis du bout des ondes, bonjour et merci une fois encore d'être à ce rendez-vous de Morning Live. La situation au Congo, en RDC, mérite donc beaucoup d'attention. De l'autre côté donc du Congo, un nouveau Premier ministre a été mis en place. Il a choisi les membres du gouvernement qui devront l'aider à faire donc le travail. Mais jusque-là, la paix semble difficile à être retrouvée dans ce pays de l'Afrique qui regorge le plus de ressources. Brice Bill Aïtchédi, bonjour. Bonjour Valentin Adjibotia, bonjour Roméo Alitano. Merci aux amis téléspectateurs de prendre le rendez-vous de mon élève. Roméo Alitano, monsieur le président, bonjour. Bonjour Valentin Adjibotia, bonjour aux fidèles téléspectateurs de GovTV Africa. Nous sommes le week-end et Valentin Adjibotia, le week-end, déjà à partir de 7h, c'est Morning Live sur GovTV Africa. Nous sommes donc là pour 90 minutes d'information et d'analyse de l'actualité avec les téléspectateurs qui ont déjà pris le rendez-vous de cette émission. Dans cette émission, nous parlerons donc de la situation à Tokpa. Également, dans cette émission, nous allons aborder un hôpital qui a été délaissé quelque part dans les encablures de Porto Novo. Toujours, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'ENAM, les propos, n'est-ce pas, du ministre Kassa dans le Septentrion. Également, la situation au Congo, sur d'ailleurs laquelle j'avais introduit cette émission, le Congo, où le corps de Étienne Tshisekedi peine à rentrer au pays. Grand opposant, son corps également. On s'oppose à ce que ce corps revienne dans le pays. Brice Bill Aïtchédi, qu'est-ce qui se passe au Congo? Puisque là, le Premier ministre a été mis en place et le pays peine à retrouver son équilibre. Non, le pays, on le souhaite, va retrouver son équilibre. J'ai lu sur les réseaux sociaux, quelqu'un a mentionné que Tshisekedi a été opposant de son vivant et opposant, même décédé. Non, je crois que les gens ne s'opposent pas à l'arrivée de sa dépouille en République démocratique du Congo. Il y a comme une mésentente autour. Ce qu'on peut déplorer, c'est que les jours passent, ça prend assez de jours là, parce que Tshisekedi est décédé il y a un moment. Alors, je crois bien qu'ils vont arriver à trouver un compromis pour que le corps de Tshisekedi puisse rentrer. Enfin, les honneurs qui lui sont dus lui soient rendus. Et je crois, bien après cela, il y a beaucoup de choses que le Congo doit régler. Que l'arrivée du corps de Tshisekedi, là, les obsèques du corps de Tshisekedi, là, les obsèques de Tshisekedi bloquent en fait. Donc je crois qu'ils vont en arriver à un compromis et les choses vont aller assez vite pour que d'autres problèmes liés à la crise au Congo soient réglés. Roméo Alitano, ceux qui sont contre l'arrivée du corps de Tshisekedi, c'est ceux qui sont contre donc, la façon dont le gouvernement veut procéder à l'inhumation de Tshisekedi. C'est bel et bien les membres de son parti qui ont du mal à trouver le lieu où il faut enterrer les listes disparues. Mais pendant ce temps, un premier ministre a été nommé, il a mis en place son gouvernement et on pense qu'on a pris les mêmes et on a recommencé. Oui, au-delà du débat autour du rapatriement, de la dépouille de l'opposant Étienne Tshisekedi, c'est beaucoup plus cet aspect de la situation en République démocratique du Congo qui m'intéresse, moi, puisque l'homme, on a vu un peu le combat qu'il a eu à mener durant son vivant. Le combat de celui-là qui veut que la République démocratique du Congo ait une démocratie et que cette démocratie regorge d'une certaine vitalité qui permet au peuple congolais de pouvoir jouir, de pouvoir emprunter la voie du développement. Aujourd'hui, un Premier ministre a été nommé. On se rappelle que le débat a été un peu houleux après la nomination de ce dernier parce que bon nombre de Congolais estimaient que ce dernier était un peu trop proche du pouvoir en place parce qu'on le qualifiait d'opposants modérés, puisque Étienne Tshisekedi, on connaît sa position en tant qu'opposant en République démocratique du Congo. On connaît sa position vis-à-vis du pouvoir en place. Aujourd'hui, on a pratiquement repris avec un système qui, moi, me suscite un peu, suscite en moi un peu d'interrogation, notamment la probabilité pour l'élection, les jours, les semaines, les mois à venir de l'élection présidentielle en République du Congo, puisque le délai imparti normalement pour cette date du 20
décembre 2016 était passé depuis un moment. On a essayé de trouver une transition, mais cette transition me semble-t-il a encore un peu de plomb dans l'aile, puisque le souhait du peuple congolais, le souhait du peuple congolais, c'est notamment d'en arriver à l'élection présidentielle, mais avec ce Premier ministre qui est en train de mettre un système qui est beaucoup plus favorable hein, à Joseph Kabila. Je me demande si l'élection présidentielle aura effectivement lieu dans ce pays pour qu'on parle désormais de démocratie en République démocratique du Congo. Voilà, en attendant donc, oui, Brice Bila. Oui, la preuve, c'est qu'il a formé un nouveau gouvernement avec les anciens, il a maintenu les anciens ministres de Kabila. Donc, en fait, ce que moi je voulais souhaiter, c'est que le peuple congolais doit se réveiller. Le peuple congolais pas se réveiller en se lançant dans les rues à la manière des révolutions, comme on a vu ailleurs, mais la veille citoyenne doit davantage être renforcée. Voilà. Et Valentin Djibocha, si vous permettez, il faut également un consensus sur la dépouille de Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'il faut le rapatrier au Congo? C'est peut-être le souhait de beaucoup de Congolais. Mais si de l'autre côté, on estime, si notamment la famille estime qu'il faut inhumer Étienne Tshisekedi hors du territoire congolais, puisque les conditions exigées ne sont pas réunies, qu'on essaie de trouver une solution pour inhumer ce corps et parler maintenant du développement de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas citer en exemple l'enterrement de Mobutu, puisque Mobutu n'a pas été enterré au Congo, mais il a été quand même enterré. Enterrons nos morts et parlons beaucoup plus du développement. Je crois que c'est beaucoup plus ce qui va intéresser les peuples africains. Tu portes à croire qu'en Afrique, les morts posent plus de problèmes lorsqu'ils ne sont plus que lorsque peut-être leur corps est vivant. Et ça, c'est un véritable problème. Tout de suite, nous allons retrouver Roxane Issou pour la virgule avant la tranche informative, la première de Moneyline. Merci de nous pour les informations en ouverture de Morning Live de ce samedi. Vous le savez, le chef de l'État était au Kenya après la visite de 3 jours effectuée du 9 au 11 mai en Nairobi, où il a assisté en qualité d'hôte d'honneur à la 17e Assemblée générale de l'assurance du commerce en Afrique. Le chef de l'État et la délégation pour la circonstance. Que retenir de ces 3 jours passés? Aurélien Agbenossi, il est ministre des. La première journée du séjour du chef de l'État qui conduisait effectivement une délégation importante, puisqu'il y avait 2 ministres de son gouvernement et quelques hauts fonctionnaires. La première journée a été consacrée à la visite à l'État kenyan lui-même. Cette journée a été marquée par des entretiens entre les 2 chefs d'État. Ils ont passé, bien sûr, en revue la coopération entre nos 2 pays, mais surtout, ils ont voulu répondre à un vœu qui est cher au président de la République, le souci que vous connaissez tous, celui du président Talon, de rapprocher l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Vous savez certainement que le commerce entre les pays africains fait moins de 10% et le chef de l'État a souhaité que nous puissions, dans cette dynamique du nouveau départ,
tout en conservant nos amis traditionnels, aller aussi vers les autres pays africains et surtout travailler avec l'Afrique de l'Est où se développent diverses initiatives qui méritent d'être observées et reconnues comme source d'inspiration. Les domaines qu'ils ont abordés couvrent évidemment, bien sûr, l'intensification des échanges entre nos deux pays, l'ouverture du marché kényan et du marché béninois aux entreprises des deux pays. Cela couvre aussi la concertation sur les dynamiques qui doivent engager les deux États. Et ainsi, ils ont décidé de mettre en place la grande commission mixte entre le Bénin et le Kenya. Et cette commission se réunira dans les mois qui viennent. Et il a été aussi heureux de relever que le président Uhuru Kenyatta a décidé de l'abolition du visa pour les citoyens béninois, une sorte de mesure de réciprocité. On doit considérer cela comme un succès de la diplomatie du président Patrice Talon. Notre décision d'abolir le visa pour tous les Africains commence par avoir des retombées. Donc, la ministre des Affaires étrangères du Kenya et moi-même avons été instruits de travailler très rapidement pour que les conditions permettant d'appliquer cette mesure aux citoyens béninois se rendant au Kenya soient prises. Le chef de l'État a souhaité visiter un projet de caractère agricole, mais qui a un fort impact sur le développement, sur l'économie du Kenya. Il s'agit du domaine agricole dit Karen Rose, où sont produites des roses qui sont vendues en Europe. Vous savez certainement que le Kenya fournit une grande partie des roses qui sont commercialisées en Europe. On peut donc, à partir d'un pays africain, produire des roses et occuper, avoir une part très importante du marché kenyan. Le chef de l'État a observé et a indiqué que dans notre pays, dans la partie septentrionale, dans le département de la Takora, existe un site où le microclimat pourrait permettre de faire une réplique d'une telle initiative. Il a profité pour inviter les experts de cette entreprise à se rendre ici chez nous pour que nous puissions examiner la faisabilité et la possibilité de créer la même entreprise au Bénin. Vous savez certainement aussi que l'une des raisons du voyage du président au Kenya est l'invitation qui lui a été adressée en tant que président d'honneur, comme parrain, comme hôte d'honneur de la 17e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Et cette 17e Assemblée générale de l'ACA a été marquée par d'abord une table ronde qui a eu lieu le mercredi 10 mai. Et au cours de cette table ronde, dont le thème était la bancabilité des risques africains, le chef de l'État a reconnu comme champion de la promotion du secteur privé, mais aussi de l'utilisation du secteur privé pour booster les économies africaines, pour créer la croissance, s'est prononcé et a fait des propositions concrètes aux participants de cette table ronde, une table ronde qui regroupait des ministres des Finances, des pays adhérents à l'agence, mais aussi des experts du domaine de l'assurance et de la réassurance dans le domaine des affaires sur notre continent. Il a encouragé, il a salué l'existence de cette agence. Il a très clairement indiqué qu'il n'était pas nécessaire que les pays de l'Afrique de l'Ouest créent une autre agence, mais que l'agence qui est déjà africaine, de par son nom, puisse bénéficier de l'adhésion des pays de la CEDEAO pour qu'elle soit une agence renforcée, compétente, à même de couvrir les divers risques qu'elle a mentionnés dans son acte de fondateur et une agence renforcée bénéficiant de l'adhésion de plusieurs pays devrait pouvoir aider aux investissements, la promotion des gens sur le continent. Il a salué le fait que plusieurs pays, après le Bénin, puisque le Bénin est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir adhéré à l'ACA et à s'être acquitté de ses droits de participation. La Côte d'Ivoire aussi a été mentionnée, de même que le Zimbabwe, qui ont rejoint cette institution après nous cette année. À l'issue de l'ouverture de cette Assemblée générale,
Il a reçu M. Eric Solem, le directeur exécutif de ONU Environnement, qui a rang de secrétaire général adjoint, avec lequel il s'est notamment entretenu d'une question qui le préoccupe au plus haut point, celle de la gestion des plateformes pétrolifères qui ont été abandonnées au large de Sémé. Le chef de l'État a fait un plaidoyer très important pour notre pays et il a reçu l'assurance du directeur exécutif de ONU Environnement qui s'est engagé à mobiliser l'expertise nécessaire en concertation avec la Banque mondiale et les pays intéressés pour pouvoir très rapidement envoyer une mission évaluer les risques, mais aussi évaluer la possibilité d'une rentabilisation des installations qui se trouvent au large de Sémé. Voilà, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Direction École nationale d'administration et de management, voilà, pour parler de cette situation conflictuelle à l'ENAM, la décision DCC 17065 de la Cour constitutionnelle peine à être mise en œuvre, ce qui a provoqué en début de semaine un mouvement de mécontentement dans le rang des étudiants. Le directeur, pour sa part, s'en remet aux autorités rectorales. Les décisions de la Cour sont sans recours. C'est ce sur quoi les étudiants de l'École nationale d'administration et de magistrature ont tablé pour réclamer des autorités leur réinsertion dans leurs droits. Selon la décision DCC 17-065, leur bureau d'union d'entité devrait être installé depuis. À les en croire, certaines écoles et facultés l'ont déjà fait et ils ne comprennent pas l'attitude de leurs autorités de tutelle. Pour ce qui est du compte de l'ENAM, on s'est rapproché de l'administration de l'ENAM pour dire, voilà, il y a une décision qui nous réhabilite dans nos droits et on est revenu pour que désormais les prérogatives qui sont du bureau d'union d'entité, que le bureau d'union d'entité puisse rentrer en possession de ces prérogatives-là et jouir de ces prérogatives-là. L'administration de l'ENAM n'a pas voulu répondre favorablement à cette décision et a dit qu'en vertu du principe du parallélisme des formes, qu'elle ne peut accepter collaborer à nouveau avec le bureau d'union d'entité. Qu'elle attend une note ou une injonction du rectorat ou du ministre de tutelle afin de commencer à collaborer avec le bureau d'union d'entité. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la base et il en ressort qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Suite à cela, on a organisé une assemblée générale ouverte, qui est la plus grande assemblée générale, qui comprend le bureau du nom d'entité, le conseil du nom d'entité, le collectif de tous les responsables et l'ensemble des ENAC. Donc cette assemblée générale, selon les tests de l'Union des élèves et stagiaires de l'ENAM, toute décision prise à cette Assemblée générale s'impose à tous. Et donc, c'est suite à cette Assemblée générale que la décision a été prise d'aller maintenant d'une main forte et de faire face à l'administration pour lui dire halte. Parce que quand on fait la statistique au niveau de toutes les écoles et facultés affiliée à l'université d'Abomey-Calavi, l'école nationale d'administration et de la magistrature est la seule école dont l'administration refuse catégoriquement de collaborer, que ce soit de manière implicite, dans un sens formel ou dans un sens non formel. Pour le directeur de l'ENAM, le fonctionnement de l'administration obéit à des règles. Jusque-là, aucune décision du ministre n'a encore abrogé celle en cours. Il y a une quinzaine de jours ou un peu plus, nous avons reçu une correspondance dans laquelle les responsables ou les représentants désignés par le collectif des responsables d'AMFI pour siéger provisoirement au sein des organes statutaires de l'école nous annonçaient leur démission collective face à ce qu'ils considèrent comme étant le refus de la direction de rétablir le bureau d'union d'entité dans ses activités. Nous avons rendu compte au recteur de l'université d'Abomey-Calavi
en lui transmettant les différentes correspondances que nous avons reçues. Et ce matin, quand nous avons eu connaissance de ce mouvement-là, j'ai rappelé le vice-recteur qui assure l'intérim et je lui ai rendu compte. Et il m'a confirmé que dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas, en tant qu'autorité administrative, prendre des initiatives sans attendre que le gouvernement nous dise quelle est la conduite à tenir. Si rien n'est fait, la situation risque d'empirer à l'image de la scène produite ce lundi matin. Et donc nous avons décidé à la suite de cette Assemblée générale d'aller d'une main forte. Et aujourd'hui, au drapeau, pour la cérémonie des couleurs, à 7 heures, tous les camarades d'ENAC ont répondu présents et ont manifesté leur mécontentement. Et donc, non seulement la cérémonie des couleurs n'a pas eu lieu, mais tout le monde, avec le bureau du nom d'entité et le collectif des responsables, ont dit non à l'administration. Trop c'est trop, nous en avons marre. Parce que nous avons noté assez de décisions arbitraires et de nouvelles décisions arbitraires qui sont même en cours de naître. Le gouvernement se doit de clarifier la situation pour éviter que l'université d'Abomey-Calavi ne soit à nouveau embrasée par les grèves perlées qui mettent à mal le bon déroulement des cours. Allons à présent à la découverte d'un autre éléphant blanc, puisque vous le savez, le Bénin en compte tellement. Cette fois-ci encore, il s'agit d'un hôpital qui aurait dû servir à fournir aux populations de Adiatokpa des soins de qualité. Mais contre toute attente, cet hôpital a été abandonné. Regardez. Ce dispensaire construit à coût de millions par l'État béninois n'est pas fonctionnel. Il est situé à Adiatokpa, dans l'arrondissement de Segbourouè, commune de Kwamassé. Ce joyau, livré depuis 2009, n'a jamais ouvert ses portes aux populations. Dans la commune, il y en a deux, que nous appelons dispensaires isolés, qu'on a construits, mais par manque de personnel, ces deux dispensaires n'ont jamais ouvert leurs portes. C'est un choc que nous recevons. Et nous entendons beaucoup de la population parce que la population n'est pas contente de nous. Et pour elle, c'est que c'est nous qui sommes à la base, que c'est nous qui ne faisons pas ce qu'il fallait pour que ce centre soit doté d'un personnel qualifié. La cour arrière de ce dispensaire est submergée par de hautes herbes. Une situation qui désole les potentiels bénéficiaires. Le dispensaire ne travaille pas. On n'a pas de l'infirmier. Et sans femme, on ne trouve rien. Les autorités ne disent rien. Et le village parle où on va trouver les médecins pour nous aider dans le village. Et on ne trouve personne. Soucieux de voir ce dispensaire fonctionner, certains jeunes du village ont écrit à l'autorité communale. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de suite. Le dispensaire isolé est créé depuis 2009, mais sans le matériel. Et puis les personnels de santé. Mais vu ce constat, la population crie. Tout était herbeux. C'est maintenant qu'on a sacré, la population a sacré pour pouvoir que les gens qui passent regardent ce qui se passe. En dehors du maire, d'autres autorités ont été saisies, notamment celle du ministère de la Santé. On a posé le problème en son temps au médecin coordonnateur de l'hôpital de Jaune. Qui couvre et de Kwamassé. Entre-temps, le directeur départemental de alors avait été saisi aussi. Mais c'est l'État, puisque vous savez que la santé est une affaire délicate. Il va se lever et celui qui veut là. C'est les agents de santé, c'est les autorités au niveau du ministère de la Santé. Donc nos tentatives, à mon avis, celui-là, sont vaines. Nous voulons maintenant que le ministre de la Santé vienne nous aider à Adiatokpa. Rapprocher les centres de santé des populations est une bonne chose, mais les doter d'équipements adéquats et de personnel qualifié est déterminant pour leur fonctionnement. À Adiatokpa, c'est ce qu'il faut faire pour sortir ce dispensaire isolé de l'isolement. Voilà, merci à Charles Daoui. C'est ce qu'il faut faire, Valentin Adiboucha, pour sortir ce dispensaire isolé de l'isolement.
Voilà, retour donc dans ce studio, Brice Bila Etchedi. On va tout de suite aborder la situation à l'ENAM. Aujourd'hui, les étudiants ont de la peine, n'est-ce pas, à s'organiser parce que là, ils rejettent en bloc la machine qui avait été mise en place en substitution donc au bureau d'union d'entité. Aujourd'hui, ils se fondent sur la décision de la Cour constitutionnelle pour réclamer donc la remise en marche du bureau d'union d'entité existant. Roméo Alitanou, on a comme l'impression que jusque-là, on ne sait pas qui du gouvernement ou des autorités rectorales prendra la décision de remettre en marche la machine existante, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme organisation étudiantine. Oui, au niveau du gouvernement, déjà, Valentin Agibauchard, on sait que des dispositions sont en train d'être prises pour permettre au mouvement étudiantin de reprendre sur le campus d'Abomey Kalavi, notamment sur cette question principalement. Je crois qu'une décision de justice a été rendue. Et c'est juste l'application qui pose désormais problème. Donc, ce n'est plus qu'une question de temps. Je pense que les autorités électorales feront le nécessaire pour que la décision rendue par la Cour constitutionnelle puisse entrer dans son application. Mais en attendant cette application de la décision, je pense que les étudiants devraient beaucoup plus mettre, moi particulièrement, l'accent sur les études sur le campus d'Abomey Kalavi. C'est vrai qu'il faut une certaine organisation en toute société, mais est-ce qu'il y a encore de véritables problèmes qu'on pourrait soumettre à ce bureau-là qui puisse empêcher le bon déroulement des cours à l'ENAM? C'est la grosse interrogation que je me pose. S'il n'y a pas encore d'inquiétude majeure, on peut continuer avec les cours, le temps de la mise en application de cette décision de justice. Brice Bila Etchedi, on a comme l'impression que les étudiants veulent forcer la main, n'est-ce pas, aux autorités rectorales pour que quand même, puisque le mandat ce n'est qu'un an, nous sommes déjà en mai, et d'ici à là, leur mandat va finir et l'État ne prend pas la décision qui suit, normalement celle de remettre en route ces organisations étudiantes. Moi, je pense que c'est le gouvernement, en l'occurrence l'autorité au niveau de l'enseignement supérieur qui a fauté. Parce que les décisions de la Cour sont des décisions sans recours et exécutoires immédiatement, non? Mais depuis que cette décision est sortie, depuis qu'on a eu connaissance de cette décision, qu'est-ce qui bloque son application? À suivre ce reportage, si on se focalise sur le cas de l'ENAM, les étudiants sont dans leur droit. Les étudiants sont en droit de réclamer. Mais le premier responsable aussi a dit qu'il n'a pas eu notification d'une lettre de l'autorité pour changer l'ancienne donne. Oui, il a appelé le vice-recteur qui lui a dit juste là, la ministre n'a pas encore pris la décision. Voilà. Vous voyez, la ministre, elle vous dira que le gouvernement ne sait pas voilà, encore. Je crois que le premier responsable de l'ENAM est aussi, je pense, un peu dans ses droits. S'il n'a pas eu une note qui lui stipule que, bon, qu'il faut remettre les étudiants dans leurs droits, l'administration répond à des normes, il a dit. Hein? Non, moi, je crois que c'est la ministre, au plus vite, c'est un impératif d'ailleurs, qui doit saisir l'administration de l'ENAM, saisir l'administration des différentes universités pour que la décision de la Cour soit applicable. Je pense même que c'est encore une faute, hein? C'est encore une faute parce que récemment, quelqu'un a fait une rencontre avec la presse et a dit qu'il y a eu plusieurs décisions de gouvernement. Bien sûr, on a vu au niveau de l'ARCEP, où on a exigé qu'on ces décisions ne sont pas appliquées. Ces décisions ne sont pas appliquées. Pourquoi? Peut-être, si on peut peut-être avoir un membre du gouvernement ou... En répondant du gouvernement qui va nous expliquer quelles sont les suites des décisions de la Cour, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas appliqué. Roméo Alitanou, qu'est-ce qui fait que, puisque le président Talon, lors de sa campagne, quand même, a dit qu'il est respectueux, n'est-ce pas, des tests de la République et qu'il se veut, n'est-ce pas, de corriger cette image-là qu'on a des décideurs au plus haut niveau qui parfois ont de la peine à mettre en œuvre quelques décisions du gouvernement, de la Cour constitutionnelle, notamment sous le président Yahi, où on avait eu assez de difficultés à ce niveau-là, où la Cour dit quelque chose. On avait vu le chef de l'État qui, entre-temps, n'était pas trop prédisposé à
les respecter. Et le président Talon en a fait d'ailleurs l'une des augmentations de sa campagne, c'est le respect, n'est-ce pas, des décisions de justice, la liberté entière à la justice pour faire son travail. Mais ça fait quand même une dizaine de décisions qui ont été cassées par la Cour constitutionnelle et qui, jusque-là, ont eu du mal à être mises en œuvre. Quelle lecture faites-vous de cette situation? La lecture, de mon point de vue, puisque je ne pourrais pas parler au nom du gouvernement Valentin Ajibocha, ma lecture, c'est que nous sommes dans un État où il y a la séparation des pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, donc chacun dans son rôle. On a vu un peu la campagne qui a été celle du candidat Patrice Talon, aujourd'hui président de la République. On a vu sa volonté de réviser un peu la Constitution pour donner plus d'indépendance à la justice béninoise. C'est vrai qu'il y a au niveau de la Constitution des normes qui ont été jusque-là établies et respectées de tous, notamment l'indépendance de la justice et les décisions de la Cour constitutionnelle, notamment sans recours. C'est des décisions qui ont été rendues. Je me dis qu'au niveau du gouvernement, les dispositions doivent être prises notamment pour l'application de ces décisions, puisque nous sommes dans un état de droit. Si pour le moment, ces décisions ne sont pas encore mises en application, c'est au gouvernement de venir nous répondre, d'expliquer au peuple béninois ce qui fait que des décisions de la Cour constitutionnelle qui ont été prises ne sont pas jusqu'à ce jour mises en application. C'est parce qu'il y a de quoi s'inquiéter. Si nous sommes dans un état de droit où les pouvoirs sont bien séparés, pourquoi ne pas mettre en application? Pourquoi constituer un frein à l'exécution du pouvoir judiciaire? Brice Bilagidji, sur la même question, le gouvernement qui peine à mettre en œuvre les décisions de justice? Oui, le chef de l'État, pardon, le chef de l'État dans le dernier débat du second tour l'a dit face au président, au candidat Lionel Zinsou, que nous sommes dans un État voyou où les décisions de justice ne sont pas respectées. Mais on constate tristement qu'aujourd'hui, on n'a pas encore en répondant, comme Roméo l'a dit, du gouvernement, mais on constate au dire des étudiants là maintenant sur le cas, par exemple, de cette décision, que la décision n'a pas été respectée ou la décision tarde à être respectée normalement. Ça ne doit pas être comme cela. Moi, je pense que c'est au lendemain immédiatement de la décision de la Cour que le gouvernement devrait écrire à l'administration de ces universités, de ces écoles-là, pour leur notifier que la donne a changé. Au regard de la décision de la Cour a changé et qu'il faut rétablir les étudiants dans leurs droits. Non, mais le gouvernement, le directeur de l'ENAM, hein, l'École nationale d'administration de magistrature, se réfère au vice-recteur qui assumait l'intérim du recteur qui est en voyage, qui lui a dit jusque-là, moi je n'ai rien reçu de la ministre, puisqu'il y a une autre circulaire du ministre qui est arrivée et qui dit, voilà les nouvelles dispositions. La ministre jusque-là n'a rien dit parce que peut-être elle attend une décision du gouvernement qui, à un moment donné, a décidé de la dissolution, n'est-ce pas, de ces organisations étudiantines au niveau de l'université d'Aboum et Calavi, il faut le préciser, puisqu'il y a l'UNIPAR qui jusque-là, ou bien l'université de Parakou et celui de Porte-Nouveau, celle de Porte-Nouveau qui continue de fonctionner normalement. Je crois que le gouvernement doit nous montrer sa bonne foi. Hein. Il ne faut pas qu'il nous donne l'impression qu'il ne veut pas respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Parce que vous l'avez dit, cette décision, c'était un conseil des ministres. Mais la ministre de l'enseignement supérieur, je crois, s'est empressée de la notifier à l'administration des différentes universités. Moi, je voudrais lui proposer à la manière de cet empressement, hein, de le faire également pour la décision de la Cour constitutionnelle de rétablir les étudiants dans leurs droits. Vous avez dit que le bureau du nom d'entité, ce n'est qu'un art. Hein? Absolument. Ouais. Et puis ça règle beaucoup de problèmes pour les étudiants. Absolument. Ça règle beaucoup de problèmes pour les étudiants. Donc le temps passe vite. La ministre n'a qu'à agir au plus vite. Voilà. Alors l'autre priorité du gouvernement, c'est bel et bien la santé des Béninois. De l'autre côté de Porte-Nouveau, quelque part, il y a un hôpital à Adjatokpa. Un dispensaire qui a été construit, un très beau bâtiment. Adjatokpa, c'est aux encablures de commerce. Adjatokpa, c'est dans le Monopo. Oui, dans le Monopo. Voilà, à Sekbouwe. Oui, justement, à Sekbouwe. Un dispensaire, et comme
L'autre fois, c'est toujours dans le mono et dans le coupeau que ça se passe. Qu'est-ce qui peut justifier cet abandon tout à suivi? Non, c'est peut-être, je pense que c'est peut-être la détermination de l'équipe régionale de GovTV Africa d'aller à la découverte de ces éléphants blancs. Parce que Valentin Agibocha, vous savez qu'on en a tellement en République du Bénin. Les éléphants, bon, on en a tellement sur le territoire national que si on s'attardait à les recenser, l'effectif sera tellement prétorique que le peuple béninois va se mettre à se poser des questions. Je tire un coup de chapeau à cette équipe, à cette antenne régionale de GovTV Africa qui essaie quand même de donner de la visibilité à ces infrastructures qui ont été construites à coup de millions de francs CFA sur la contribution du peuple béninois et qui sont délaissés parce que peut-être qu'on est en manque de personnel ou bien de personnel qui n'a jamais pris fonction dans ces dispensaires et autres. Là, il n'y a même pas du matériel. Là, le matériel n'existe pas. L'infrastructure est terminée. Et les populations même prennent sur elles le soin d'entretenir un peu les lieux en attendant que l'État central ne prenne les décisions qu'il faut pour permettre à ces populations de pouvoir bénéficier de ce dispensaire-là. Vous savez, Valentin Agibocha, le droit à la santé, c'est un droit inaliénable. Il faut forcément que les populations soient en bonne santé pour être productives. Il faut forcément qu'on assure aux populations de cette localité les soins nécessaires pour leur permettre d'être en forme et contribuer au développement de la nation. Si nous avons de ces infrastructures qui ont été bien installées, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir rapprocher les populations des dispensaires, rapprocher les populations des soins de santé. Aujourd'hui, l'infrastructure est là, on n'en fait rien, c'est laissé au bon vouloir des herbes et autres animaux qui s'y retranchent. Et vous allez finir par voir qu'avec le temps, c'est les hors-la-loi qui vont en faire leur nid et commencer par, au lieu que cette infrastructure serve véritablement au bien-être des populations, des hors-la-loi qui vont commencer par mettre en péril la sécurité de ces populations. Donc moi, j'interpelle une fois de plus le ministre de la Santé, puisque ce n'est pas le premier cas qu'on est en train d'évoquer sur cette émission. La dernière fois, on était dans la commune de Koumé où un autre dispensaire a été abandonné au milieu des herbes, alors que les populations sont même jusqu'à aller à proposer qu'elles vont cotiser et mettre ne serait-ce que de l'eau et de l'énergie dans cette infrastructure, qu'on leur envoie juste le personnel qu'il faut. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait pour le moment. On attend de voir le gouvernement à l'œuvre, notamment sur ces chantiers-là. C'est vrai qu'il faut construire des routes, c'est vrai qu'il faut penser au développement du Bénin, mais il faut également penser à ces infrastructures parce que là, on n'a plus forcément besoin des ressources qu'il faut pour construire et en même temps rendre opérationnelle. Là, l'infrastructure est déjà construite, il faut juste la rendre opérationnelle pour le bien des populations de cette localité. Voilà, et puis avec la complicité, n'est-ce pas, de la régie. Entre-temps, après donc notre mission, une équipe du ministère de la Santé est descendue à Gatobo pour mettre en service cet hôpital et la SONEB a entre-temps également alimenté en eau. À Gatopa. À Gatobo. À Gatobo, là c'était à Koumé. Ok, à Koumé, ok. À Doi, là, la situation donc à Doi a été réglée. Mais là, on a encore identifié un autre hôpital et... Là, jusque-là, j'ai de la peine à comprendre qu'on n'a pas recensé. Et ça, c'est un travail peut-être à faire au niveau du ministère de la Santé, puisqu'entre-temps, l'ancienne ministre Dorothée Kindegazar avait fait un travail de recensement des hôpitaux qui ont été des investissements, n'est-ce pas, en matière de construction d'hôpitaux. Et jusque-là, on a de la peine à comprendre qu'à la prise du service du nouveau ministre, Alassane Seydou, qui connaît quand même le territoire béninois, il y a encore de ces dispensaires qui peinent à entrer en service, puisque cet hôpital de Segboué, d'après les dernières informations qui nous sont parvenues, est bel et bien situé à Diatopa et que ces dispensaires peinent toujours à prendre service. On vient donc une fois encore de révéler l'existence de ces dispensaires. Nous espérons que les autorités à divers niveaux feront ce qui est de leur devoir pour que ce dispensaire prenne service. Mais est-ce qu'il faut toujours attendre que les caméras de Gov Télévision parcourent le pays pour aller identifier ces infrastructures qui ne sont pas fonctionnelles avant de les lancer, Brice Bilaïti? Malheureusement, c'est à cela qu'on assiste. Hein. Et le seul cas, moi je crois que... Mais c'est déjà heureux quand même qu'après le passage, n'est-ce pas, de l'église... Non, moi je crois que c'est peut-être le seul cas qui a été réglé, le cas de commun là. Parce que la dernière fois ici, j'ai dit si moi j'ai un conseil à donner au chef du service français de l'information de Golf,
c'est du sursaut à ces reportages-là. Non, mais on c'est déjà la preuve que ça a été C'est vrai que ça règle un problème. On informe là-dessus. Hein, on satisfait à une certaine envie des populations. Mais si on n'a pas un répondant, nous, on doit continuer tout le temps sous les intempéries à promener notre matériel. C'est aussi ça, le métier. Mais ce truc-là, non. Plus Bilal et Djedjé. À côté des hôpitaux, il y a quand même assez d'infrastructures au plan national qui souffrent du fait... Voilà, justement, je voulais... Je me rappelle très bien des propos du ministre Hanzo à Parakou dans les logements sociaux, n'est-ce pas, à l'entrée de la ville, là, quelque part à droite, où il disait, d'ici la semaine prochaine, il faut mettre l'hôpital... Et ce n'est pas que dans le secteur de la santé, c'est dans tous les secteurs. C'est comme si on n'est pas dans un pays normal. C'est comme si on marche les pieds en haut, la tête en bas. Parce qu'au même moment où il y a cet hôpital est construit, abandonné, dans cet endroit-là, laissé aux intempéries, aux herbes, là, les syndicats, les agents de santé sont en train de nous rabasser les oreilles au cours des grèves, qu'il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux. Les populations se plaignent, dans les autres secteurs aussi, les écoles. Il n'y a pas d'école, il y a des privés qui construisent des écoles. C'est difficilement que c'est fonctionnel, il n'y a pas d'enseignants affectés dans ces écoles. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays. C'est terrible. L'autre chose, hein, on a comme l'impression qu'on se rappelle, n'est-ce pas, de la situation à Bante où on a dû attendre que le journal du bien fasse un débarquement tous azimuts pour aller filmer des poteaux qui ont passé des années au sol avant que quelques semaines plus tard, les poteaux là retrouvent leur position normale. Ils se sont retrouvés debout et on ne commence pas à fonctionner. Vous savez, vous permettez, il y a à Sèvres-Kodji, on a tourné un reportage où je crois que c'est la Société béninoise d'énergie électrique qui a construit un bâtiment. Je crois que le reportage a été tourné par Alban Mevo, qui a construit un bâtiment délaissé. Jusqu'à aujourd'hui, le bâtiment, ça n'a pas eu de suite. On a diffusé ce reportage mille et une fois sur Dove Télévision. Ça n'a pas eu de suite, malheureusement. Je crois qu'on va peut-être aller à l'exercice du recensement. Ce n'est pas que les autorités n'ont pas connaissance de ce qui se passe. Non, recensement caméra. On va faire un exercice ici à Gov Télévision. On ira juste à Calavi, là, quelque part, sur la voie de Wedo, pour voir les logements sociaux qui ont été construits à frais de millions et qui sont, n'est-ce pas, à la portée des serpents et des lézards, pendant que des Béninois dorment difficilement. Peut-être on va inviter nos honorables députés à interpeller le gouvernement sur ces éléphants blancs qui sont légion. Absolument, et justement parlant d'honorable député, il y a Gilbert Bangana qui est dans ce studio et qui va nous dire un peu l'actualité et ses débauchements tous azimuts au niveau de l'Assemblée nationale, ses recompositions extraordinaires. On a comme l'impression que l'eau va à la source et que les députés vont là où il y a du frais. Et vraiment, la situation à l'Assemblée nationale est complètement complexe. Je vais, avec la complicité de Roque Saint-Issou, inviter dans ce studio l'honorable Gilbert Bangana. Après, donc, cette... Roque Saint-Issou, voilà. Honorable, merci de vous installer. Voilà, vous êtes Gilbert Bangana, honorable député à l'Assemblée nationale. Je ne sais véritablement pas à quelle formation politique vous installez ou vous accordez quelle formation politique aujourd'hui, parce que là, à l'Assemblée nationale, tout est mélangé aujourd'hui. Est-ce que c'est bien vrai ce que nous lisons sur ces réseaux sociaux et ces recompositions des démissions de groupes parlementaires pour rejoindre d'autres? Vous avez dit que jusque-là, rien n'a été encore formel au niveau des recompositions. Quelle est la situation à l'Assemblée nationale? Merci, monsieur le journaliste. À l'Assemblée nationale, vous constatez avec moi ce qui se passe. Nous sommes en une période transitoire de recomposition et de la configuration, bien sûr, politique au niveau du Parlement. Vous avez suivi avec moi aussi qu'il y a eu beaucoup de démissions, surtout. D'accord. Honorable député, je vais vous arrêter un instant parce que là, on n'a pas encore le son au niveau de votre micro. Juste une virgule, le temps de revenir à vous.
Retour dans ce studio avec l'honorable Gilbert Bangana. Je dis l'actualité à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est à la recomposition des groupes parlementaires. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Merci, chers amis téléspectateurs. Retour dans ce studio. Honorable, l'actualité à l'Assemblée nationale, ce sont les recompositions de groupes parlementaires. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Vous suivez avec moi l'actualité nationale au niveau du Parlement. Nous sommes vraiment une période transitoire de reconfiguration politique au niveau du Parlement. Et ceci, vous avez suivi depuis ce fameux événement du 4 avril. 4 avril passé, où pour le vote, pour la prise en considération de la révision de la Constitution, il y a eu ce qui s'est passé, où de justesse, on n'a pas pu réunir la majorité qualifiée pour pouvoir accéder à la révision de la Constitution. Mais suite à cela, vous avez suivi aussi avec moi les démissions en cascade, surtout du côté des députés issus de l'alliance Force Corée pour Bénin et Alliés, avec beaucoup de démissions. Et là, ça s'impose à nous. Quand il y a des démissions, il faut une réorganisation. Donc pour le moment, juste à la séance du jeudi passé, on est obligé, nous qui restons, on est 15 députés, qui avions en son temps voté pour la prise en considération, on a oublié de prendre notre destin en main pour nous réorganiser. Alors, est-ce que la révision de la Constitution, c'est-à-dire l'inacceptation du projet de loi, suffit déjà pour que on puisse voir ce déluge à l'Assemblée nationale? Voilà, justement, c'est la question que j'allais poser. Je vous la repose. Il y a certains observateurs qui ont estimé que la recomposition est légitime. Mais qu'elle est tardive. Vous avez dit tout à l'heure que ce sont les démissions qui ont induit ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce que ce sont les démissions qui sont l'élément déclencheur ou bien les résultats du vote dernier? Oui, vous savez, nos avis étaient partagés. On s'est retrouvés pour apprécier globalement la situation. Mais écoutez, nous, les forces courues pour un Bénin émergent. Mais les Béninois ont une mémoire très courte. Il y a à peine un an et demi, c'est nous qui étions très actifs pour la révision de la Constitution. On s'est dit, est-ce que le peuple va nous comprendre? Parce qu'il faut être cohérent en toutes choses. Nous qui étions activistes de la révision, si on était convaincus qu'il faille réviser la Constitution, mais l'opportunité nous est donnée. Nous devions, en ce moment, profiter de cette occasion pour réviser comme on l'entendait. Donc, on est allé. Les avis divergents, regardez depuis le dernier quinquennat du général Mathieu Kérékou. C'est la suspicion, mes chers journalistes, autour de cette question. Tout le monde s'accorde sur la nécessité de réviser la question. Mais à quand la révision? Donc, il y a une partie qui a trouvé légitime. Il faut que nous accédions aux documents. Si on rentre dans le secret des dieux, avant d'aller à l'Assemblée nationale, il y a un conclave, n'est-ce pas, au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent, avec à la tête de cette rencontre. Je dis les députés. Oui, les députés des forces Corée pour un Bénin émergent. Est-ce qu'à dire que déjà, et alliés. Est-ce qu'à dire que déjà à cette rencontre, vous n'avez pas pu vous entendre? Oui, à cette rencontre, nous avons senti quand même qu'il devait y avoir problème. Parce que la position des forces Corée pour un Bénin émergent était claire. Oui. C'était qu'il fallait voter contre... La révision de la Constitution, avec à la tête votre patron. Le patron, c'est qui? Et la Constitution a été donnée quand? Le patron, c'est le coordonnateur de l'Alliance. Non? Mais on ne s'est pas retrouvé avec le coordonnateur. Est-ce que Boni Yayi n'était pas là? Écoutez, depuis que... Je vais dire depuis notre débâcle. Aux élections présidentielles. Aux élections présidentielles. Il n'y a plus une occasion formelle où on s'est retrouvé, à part nos... le conseil exécutif national que nous avons tenu au palais des congrès,
qui, pour moi, a couché de nous sourire. Parce qu'on n'a pas eu, à cette occasion, l'occasion de donner des orientations claires. Donc, nous sommes sortis depuis ce temps. On ne s'est plus retrouvés. Nous, en tant que députés, on a dit, mais écoutez, le reliquat politique, le FCB, c'est nous les députés. Au lendemain des élections, nous étions 33, tout au moins. En plus, c'est nos alliés, on était au moins 41. Au lendemain, vous avez suivi comment la gestion du choix de candidat s'est passée. Et on ne s'est pas entendu. Paf, après l'élection, il y a 10 qui sont partis. Quelques alliés sont partis. Le reliquat en était 29. Oui, mais honorable, vous ne vous étiez pas entendu sur le choix du candidat, mais vous ne l'aviez pas dit à l'époque. Non, mais écoutez, il faut la discipline du groupe. À 7 heures, on était obligés, je vous dis sincèrement. Mais les gens avaient prédit pour vous le sort de la formation politique de Mathieu Kérékou entre-temps. UBF. Et c'est pratiquement ce qui est en train de se passer là. Mais vous devez comprendre aussi que c'est le problème de fonctionnement des partis dans notre pays. UBF la transhumance politique. Pas la transhumance. Écoutez, dites-moi combien de partis, à part quelques rares qui sont organisés, fonctionnent normalement avec des cartes de main. Généralement, celui qui vient au pouvoir, il constitue sa majorité. Et c'est vrai, à l'arrivée du docteur Boni Yaye, le président Boni Yaye n'est pas venu avec un parti politique. Comme celui qui est là aujourd'hui. Comme celui qui est là. Donc c'est le problème du fonctionnement politique. La culture du militantisme. On a un problème. Il faut qu'on s'organise. On a aujourd'hui l'impression d'avoir des organisations circonstancielles. Et après, on se retrouve pas. Ça, c'est un problème de fond. Et c'est pourquoi moi, j'étais d'accord qu'on aille, qu'on accède aux documents et que le système partisan, qu'on le fouille et qu'on donne vraiment, qu'on cadre pour que les partis puissent fonctionner normalement. À voir le fonctionnement de la troupe, on a comme l'impression que l'eau va à la rivière. Chaque fois qu'il y a un nouveau président, la recomposition politique fait que la majorité des députés se retrouvent. N'est-ce pas, la mouvance présidentielle. Est-ce que dans ce cadre-là, il n'y a pas quelque chose qui va avec peut-être comme argument, on doit soutenir le président en exercice, il a besoin du soutien de l'Assemblée, il a besoin du soutien des députés. Et honorable, qu'est-ce qui en est en réalité, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est ce que je dis. Si un parti est bien organisé, bien structuré, regardez dans les pays de grande démocratie, quand un courant finit son mandat, politique finit son mandat, même dans la tête des cadres, c'est clair que nous avons fini. Mais dans nos pays, chers journalistes, vous entendez aujourd'hui dire non, le président Patrice et le gouverneur Patrice Talon fait la chasse aux sorcières, on évacue les cadres. Mais à part du moment où vous avez perdu le pouvoir, vous devez plier votre tablier et attendre votre remplaçant, en principe, si vous avez occupé des postes politiques. Mais on n'a pas cette culture. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons dans le pays, c'est quoi? Si vous faites attention, nous qui avons géré hier, c'est nous qui ne sommes pas contents parce que le pouvoir nous a échappé. Si le pouvoir vous échappe dans les grandes démocraties, il y a quand même l'opposition qui vous permet toujours d'opiner et d'amener peut-être celui qui est au pouvoir à prendre des décisions utiles en tant qu'organe de contrôle à l'Assemblée nationale. Mais là, on a comme l'impression que parce que le pouvoir vous a échappé, tout le monde rue vers le pouvoir pour toujours se mettre à l'abri du besoin. Bon, écoutez, le président Patrice Talon est venu avec combien de députés à l'Assemblée? Si vous pouvez me faire ce point, combien de députés l'ont soutenu? Quel est le courant politique qui a soutenu Patrice Talon? Nos populations, je dis aujourd'hui, ont une autre compréhension de la politique. Mais on sait avec clarté que la FCBE n'a pas soutenu Patrice Talon. Oui, je suis d'accord. Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que la majeure partie des députés FCBE se retrouvent, n'est-ce pas, à la mouvance présidentielle? Non. Écoute, nous étions retrouvés à Grand Popo. Oui, les députés. Le congrès de Grand Popo. Pour recentrer. Le débat. Moi, je suis de la troisième circonscription électorale. La troisième circonscription électorale a besoin de l'eau. La troisième circonscription électorale a besoin des routes. Un président élu arrive
et faire le programme de faire les routes, de faire l'eau. Et moi, parce que je suis député, je dis non, je fais de l'opposition pour faire de l'opposition. Est-ce que votre opposition va empêcher le président de faire ce qu'il a prévu dans votre région? Non, c'est ce que je dis. Est-ce que nous tous, moi je suis élu par le peuple, un peuple, par la population. Mais imaginez-vous, nous on s'est retrouvés à Gambondi, si le président Baptiste Talon, avec son gouvernement, pose un acte pour le bien-être de nos populations, nous allons le soutenir. S'il pose un acte contre le, bien-être, on va le dénoncer. Il y a eu déjà ça beaucoup d'actes contre, non? Mais vous l'avez jamais dit. Quels sont ces actes? Est-ce que pour ça, vous avez besoin forcément de rejoindre... Vous faites partie des 59? Si, je fais partie des 59. Est-ce que pour ça, vous avez besoin de rejoindre, n'est-ce pas, le camp de la mouvance présidentielle? Mais écoutez, quand on a fini ce vote de la dernière fois, pour moi, ça ne suffisait pas que du côté de l'organisation de l'Alliance FCB, qu'on stigmatise les gens, qu'on exclue les gens, on clame certains en héros, on prend d'autres pour des traites. Ça a été organisé comme ça. Honorable Bagana, je ne vous coupe pas. Qui a organisé? Mais je dis, aujourd'hui, là, on a les vous avez acteurs, été lynchés là, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit ça là, ce n'est rien. Suivez. Ce n'est pas formel. Et qu'on sente que certains des nôtres sont allés jusqu'au bout pour dire nous démissionnons des groupes, nous sentons que nous avons été stigmatisés, nous avons été isolés, mais nous sommes en politique, on ne vient pas en politique pour fumer. Non, honorable, les autres qui ont démissionné, c'est peut-être... à la suite des propos du chef de l'État qui, dans le dernier débat là, a dit qu'à l'Assemblée, qu'il est heureux aujourd'hui d'avoir 60 députés qui soutiennent son action. Mais vous voulez que les autres fassent quoi? Le chef de l'État a dit qu'il n'a que 60 députés. Je pense que la stigmatisation est venue de là, non? Non, écoutez, le président était heureux. Il se dit, quand le président Talon, pendant la campagne, il faut qu'on soit cohérent. Qu'est-ce qui a amené? Quel argument de taille, en plus, parmi tant d'autres, a pu amener Baptiste Talon pour moi? Il y a la révision de la Constitution. Bien sûr. Le peuple a adhéré. Si le peuple a élu, il avait pour élément fondamental aussi la réussite, je dis, je révise en même temps la Constitution. Le peuple a applaudi et a voté. Ça ne fait pas un an aujourd'hui. Pour nous, nous devons être à l'écoute de notre peuple. Il faut écouter le peuple. Mais est-ce que ce n'est pas votre comportement qui a mis à mal le processus? Puisqu'un temps, vous avez vu en campagne, il paraît que vous avez été mandaté avec, n'est-ce pas, missionné, avec les moyens nécessaires pour aller faire l'éloge, n'est-ce pas, de ce projet de loi introduit à l'Assemblée. Écoutez, oh, c'est le contraire qu'on constate. Le contraire. Donc, on dit, on aurait pu ne pas aller sur le terrain, finir de voter la prise en considération avant d'aller. Donc, parce qu'on n'est pas habitué à vous voir sur le terrain de ce genre de projet. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, moi, je parcours suffisamment le Bénin. Mais écoutez, moi, je suis là. Vous êtes allé avec caméra à l'appui. Moi, je suis de Tanguieta. Je connais Tanguieta. Vous comprenez? Bien sûr. Je ne fais pas un mois sans être avec ma base. Mais pas une campagne pour une loi. Mais on n'est pas allé pour une campagne. Si vous avez suivi ce que nous... Voilà. Est-ce qu'il est opportun de réviser? Les populations ont dit aujourd'hui là. Les populations n'ont pas dit nous sommes contre la révision. Mais nous avons fait. Nous avons tel problème. On n'a pas ramassé le coton des champs. On n'a pas payé les semenciers. Les acteurs agricoles qui produisent de la semence. Si vous pouvez dire au président de parler au plus pressé par rapport à tel problème, nous on n'a pas de problème. Dans la monture de cette constitution, il y a tel aspect. Si vous pouvez amender, tant mieux. Mais nous, au Parlement, on n'est pas de Godio. On doit apporter. Et moi, je pense, la première étape à franchir, c'est d'abord la prise en considération. On vous dit, voilà le colis. Vous dites, moi, je ne vais pas l'ouvrir. Retournez le colis. Il faut l'ouvrir. Et voir si ce n'est pas bon. Vous dites, ce n'est pas bon.
on avait une deuxième étape. Vous dites, ah, attention, nous avons accepté fouiller le dossier. Mais voilà nos amendements. On ne l'a pas fait. On a rejeté. Nous, on était inscrits. Étant bloqué. Allons, vous avez été bloqué. Le président dit, mais écoutez, je ne savais pas que au moins 60 pouvaient croire qu'on pouvait avancer. Si ces 60 peuvent travailler vraiment avec moi, pour que, parce que j'ai un mandat de 5 ans. Autrement dit, la recomposition qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, est incitée par le président. Non, je dis, mais écoutez, c'est deux partis. Deux partis, le président lui-même, qui avait besoin de 63, n'a eu que 60. Il peut demander, est-ce qu'un président n'a pas besoin d'une majorité? Un président sans majorité, une loi c'est au moins, les lois ordinaires c'est au moins 42 députés pour que ce soit voté. Donc il faut qu'on accepte, qu'on croit et qu'on avance. Il a 5 ans. Est-ce que nous allons nous mettre en bloc pour dire, écoutez, il est venu, ce n'est pas nous qui l'avons porté, on ne va pas le soutenir. Madame Bédinois, honorable, on a l'impression que depuis le général Mathieu Kérékou, c'est les mêmes qui tournent autour, UBF, les mêmes, on a vu l'honorable FCME, les mêmes aussi. Qui soutenait fermement notre régime. Aujourd'hui, c'est lui le porte-parole pratiquement, n'est-ce pas, alors que les Bédinois se disent que... Instabilité totale au niveau des hommes politiques. Oui, voilà. Les Bédinois, la dernière fois, honorable, c'était comme un vote sanction. Hein, pour le régime défunt, mais a retrouvé les anciens alliés du régime défunt avec le nouveau régime, ça sonne un peu mal pour eux. Bon, est-ce qu'en politique, on se lève parce que c'est un nouveau régime, on se constitue pour en politique? Je ne comprends pas. Même dans les grands pays, mais comment ça se passe? Tout le monde, vous allez laisser pour aller faire la politique? Laissez la politique aux politiques. C'est ça qui amène la politique aux politiques. Aux États-Unis, vous prenez ça, tout ça, c'est les démocrates ou c'est les républicains. Mais c'est pas, regardez, George Bush, il est passé. George Bush est venu. C'est les mêmes personnes. Les hommes en France, comment ça se passe? Ce n'est pas parce que une vague partie a perdu le pouvoir que les hommes qui ont constitué ce bloc. Bon, ne vont pas animer la vie politique. Oui, honorable Bangana. Honorable Bangana, vous êtes un élu des forces coalisées pour un Bénin émergent. Aujourd'hui, vous dites appartenir à la majorité parlementaire. Avec quel parti ou bien avec quelle alliance? Parce qu'on a vu au-delà, mis à part le PRD, qui a, au lendemain du scrutin, au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, a affiché désormais son appartenance à la mouvance politique. Les autres partis ne se sont pas prononcés. Aujourd'hui, il y a eu défection au niveau des forces coalisées pour un Bénin émergent. Vous, en tant qu'élu des forces coalisées pour un Bénin émergent, FCBE, vous rejoignez aujourd'hui la majorité présidentielle avec quel parti ou bien quelle alliance de partis politiques? Et quel est l'avenir de ces 15-là qui ont fait défection au niveau des forces coalisées pour un Bénin émergent? Écoutez, les autres blocs, si vous prenez tous ceux qui aujourd'hui sont de du bloc, ils sont de quel parti? Nous avons dit, revoyons le système partisan. C'est un défaut de disposition légale. Non, parce qu'on n'a pas revu tout est permis. Non, mais écoute, il faut qu'on se réorganise. S'il y a un vide, les groupes doivent se recomposer. Est-ce qu'on a besoin de toucher à la loi fondamentale pour pouvoir, vous, au niveau des décideurs, prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas ce vide, pour combler ce vide? Mais quand est-ce que la révision a été rejetée? Ça fait moins peine. Laissez le temps au temps. Vous allez le voir. Si ce n'est pas passé par la Constitution, peut-être ça va passer par d'autres dispositions. Vous étiez en train de faire un développement dans les pays européens. Vous avez parlé des États-Unis où il y a les républicains, les démocrates. En France, il y a la droite, il y a la gauche. Et vous faites une comparaison avec le Bénin où il n'y a du tout pas, n'est-ce pas, cette disposition. Mais lorsqu'on est de la droite en France, on reste, n'est-ce pas, lorsqu'on est, n'est-ce pas, de la droite ou de la gauche, on maintient sa ligne, même quand l'autre camp a gagné le pouvoir, on continue toujours d'être dans l'opposition si on n'a pas gagné le pouvoir. Et on se réorganise, n'est-ce pas, pour aller à la fond, n'est-ce pas, des prochaines joutes électorales. Mais le Bénin, ce n'est pas le cas. Mais la question que vous avez posée, c'est par rapport aux hommes politiques. Ce n'est pas parce qu'une alliance a perdu le pouvoir que ces hommes politiques vont disparaître. Je voulais qu'on rétablisse. Mais ils peuvent s'organiser dans l'opposition. Mais pourquoi vous tenez forcément... Le président Patrice Talon est venu avec quel groupe politique?
Et donc, c'est la porte ouverte à tout. Mais c'est pourquoi je dis, si un président vient, il a 5 ans, il veut apporter du bonheur au peuple. Je ne sais pas, le paquet du bonheur, pour moi, c'est peut-être le péager qui doit être dépouillé pour voir. Et vous avez, vous connaissez le contenu. Il faut que ça se réalise. Est-ce qu'on doit aller contre le péager? Est-ce qu'on doit soutenir le péager? Mais on choisit. Il y en a qui disent. Et vous disiez tout à l'heure que dans votre région, puisque là vous rejoignez Barthélémy Kassa qui a dit qu'il est contre Yahi Boni parce qu'il n'a rien fait dans sa région à lui. Aujourd'hui, vous le rejoignez parce que vous estimez que le programme d'action du gouvernement prend en compte quelques préoccupations de vos populations. Est-ce que vous confirmez cela? D'abord, le président Kassa, d'ailleurs le président de mon groupe jusqu'à aujourd'hui, oui, quand bien même parlementaire, en attendant demain en peut-être. En attendant la nouvelle composition, recomposition, je dis, il est trop courageux. C'est le courage. Et c'est lui qui a dit, si le chef de l'État dit d'aller à gauche, on va à gauche, et s'il dit d'aller à droite, on va à droite. C'est le courage. Il a été courageux. Parce que d'aucuns diront, mais ce n'est pas Kassa qui va dire ça. Si ce n'est pas Kassa qui va le dire. Nous, on a eu des difficultés. Et comme vous l'avez dit, nous, on est fidèles. On a soutenu Yahi Boni jusqu'à, malgré les problèmes que vous avez vus, Kassa n'a pas fait défection. Il a soutenu le président. On a soutenu le candidat Lionel Zinsou jusqu'à peine. On a fini. Il faut qu'on se réorganise. Mais nous, les difficultés que nous avons eues, on a failli être lynchés quand on courait pour la conquête nouvelle du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous faites, nous, votre bilan? Et pourquoi? Je dis. Donc, il a eu le courage de dire ce que tous les cadres, les populations de l'Atakoura n'ont pas été du tout d'accord. Parce que, comme il a dit, il y a beaucoup de mesures. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais des mesures spécifiques à l'Atakoura, on n'a pas eu la chance d'avoir. Et on a été condamné. C'est peut-être pour cacher. Et en son temps, qu'est-ce que vous aviez fait pour attirer son attention sur le fait qu'il y a des défaillances dans votre localité? Mais on est toujours là. On dit, on parle. Mais on n'a jamais eu de suite. On n'en a pas eu. Moi, je me rappelle quand on s'était retrouvé avec le candidat Lionel Zissou. Anati Tengou était candidat, le candidat Zissou. Moi, je lui ai dit, nous ne suivons pas Lionel Zissou parce que nous sommes contents des 10 ans, mais nous, parce qu'on a espoir que maintenant, l'Atakoura serait prise en compte dans le programme de Lionel Zissou. C'est l'espoir que nous avons. Parce que nous avons honte, nous qui avons soutenu jusque-là, quand les populations nous demandent concrètement. Comme Kassa l'a dit, il y a beaucoup de mesures générales dont on a bénéficié. Mais spécifiquement, on en a pas. De Tanguetta, on a plusieurs portes d'entrée pour le Togo et pour le Burkina. À part la voie interétatique, c'est fini. Norma de Thiélé, on peut aller au Burkina et au Togo en passant par Matéri. De Tanguetta Centre, de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, on peut aller au Togo en passant par Kobli. C'est une voie inter-État. De Tanguetta, on doit accéder au parc national de la Pengaré. Où, pour moi, c'est une partie où les étrangers pouvaient apprécier le niveau de développement et de conscience de notre pays. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui dans ce joyau. Si vous allez jurer de ne plus retourner. Ah bon. C'est ça, les populations veulent. Voilà. On a tout fait, ça n'a pas marché. Et que Kassa dise aujourd'hui que l'Atakoura, ça, je dis, c'est le courage, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça, le président de la République, l'ancien président Bonéa, lui-même, en son fort intérieur, sait qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire dans l'Atakoura. On va revenir à ça tout à l'heure. La zone cotonnière, je n'ai pas fini. Mm-hmm. La zone cotonnière, Kérou, Ouassa, okay. Kérou, Ouassa. Les deux capés. Mais c'est la catastrophe. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui de Natengo à Kwandé. Les populations veulent quoi? Des mesures où ce n'est pas à tel, à Bangana que c'est destiné, que n'importe. Les mesures qui sont impersonnelles. Mesures générales. Les mesures, non pas générales, spécifiques pour où les populations, tout le monde
doit bénéficier. Donc c'est ça le problème. Donc il est dit, moi je dis sincèrement, donc vous dites que ce n'est pas Kassa qui va dire, parce qu'il a été tout le temps aux côtés du chef de l'État, il a été, mais c'était dans l'espoir qu'on dise qu'il a trahi. Je dis non, Kassa n'a pas trahi. On a déchargé la marmite ensemble. On n'a vu rien dedans, on a fini. On a voulu. Il faut qu'on ait un nouveau pour voir si on peut négocier pour le développement de nos cas. Donc vous êtes fidèle à votre population. On est fidèle. Brice Bilatchedi, on va marquer une pause. Brice Bilatchedi. Quand on dit il n'y a rien, ce n'est pas les moyens. Il n'y a plus de pouvoir dedans. Vous l'avez déjà dit. De pouvoir aider à développer. Voilà, on va revenir à vous tout à l'heure. Il n'y a plus le pouvoir dedans. Et donc, il faut tout faire, n'est-ce pas, pour attirer l'attention du pouvoir sur les besoins fondamentaux de vos populations. Autrement dit, vous êtes resté fidèle à vos populations qui ont besoin d'un certain nombre de problèmes, qu'un certain nombre de problèmes spécifiques soient réglés. Et c'est pour cela que, justement, le ministre Barthélémy Kassa a fait cette sortie-là, qui a bouleversé, n'est-ce pas, l'actualité politique au cours de la semaine. On revient à vous tout à l'heure. Et on va retrouver Brice Bilatchedi pour les informations au plan africain et en même temps à l'international. Merci à vous, Valentin Adibotia. Nous irons au Burundi, en France et aux États-Unis. Première destination, le Burundi, où le vice-président chinois était cette semaine en visite officielle au Burundi, pays en crise dont les autorités saluaient le caractère historique de ce déplacement et soulignaient le précieux soutien de la Chine dans le processus de développement de ce pays. Reportage. Il s'agit d'une visite historique car c'est la première fois qu'une personnalité de ce rang visite le Burundi depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1963, s'est réjoui le ministre burundais des Relations extérieures, Alain Aimé. Lee, accueilli en grande pompe mercredi à son arrivée, a visité jeudi plusieurs réalisations de la coopération chinoise. Il devait être reçu dans l'après-midi par le président Pierre Nkurunziza. L'aide chinoise au Burundi s'est accrue au cours des dernières années. La Chine est en train de construire un grand palais présidentiel à la périphérie nord-est de Bujumbura, des routes, un barrage et des écoles. Elle vient aussi d'octroyer une aide alimentaire de 5000 tonnes de riz au Burundi. La Chine n'a jamais faibli dans sa défense du Burundi et de ses intérêts, de même que le Burundi a aussi défendu les positions légitimes de ce pays dans les instances internationales, a souligné Alain Aimé. Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà pris des sanctions ciblées contre des responsables du régime burundais. Au contraire de l'ONU, confronté aux réticences de la Chine et de la Russie. Si le président Pierre a tenu, c'est en grande partie grâce au soutien indéfectible de la Chine et de la Russie au Conseil de sécurité, a expliqué un haut cadre burundais sous couvert d'anonymat. Cette visite vient donner un message au monde entier et à nos autres partenaires qu'il y a moyen d'investir et de coopérer économiquement avec le Burundi, a-t-il lancé appelant l'Union européenne à suivre l'exemple de la Chine. L'Union européenne et ses principaux États membres, de loin les premiers bailleurs de fonds du Burundi, ont pris depuis mars 2016 des sanctions contre le gouvernement burundais accusé de graves violations des droits de l'homme et de refuser de négocier une sortie de crise avec son opposition en exil. Ce pays traverse depuis fin avril 2015 une grave crise politique née de la volonté du président Pierre de briguer un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet de la même année. La crise a déjà fait entre 500 et 2000 morts selon les sources et poussé plus de 40 000 Burundais à l'exil.
En France, le président élu Emmanuel Macron, pour qui la France l'a emporté avec sa victoire à l'élection présidentielle face à la candidate du Front National, Marine Le Pen, a promis, juste après la proclamation des résultats de ce scrutin, qu'il ferait tout dans son quinquennat pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. On écoute Emmanuel Macron. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci et porter durant les 5 années qui viennent l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte. Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement, c'est cela ce que j'attends de vous dans 6 semaines, car j'aurai encore et encore besoin de vous. Voilà, Emmanuel Macron prend officiellement fonction demain dimanche. Il fera connaître son premier ministre lundi et effectuera son premier voyage officiel en Allemagne. En bref et en image, le président des États-Unis, Donald Trump, a limogé le patron du FBI, James Comey, l'homme qui dirige l'enquête sur la liaison éventuelle entre son équipe de campagne et la Russie. Une décision qui suscite un nombre de réactions au pays de l'oncle Sam. Voilà, Valentin Adibocha, ce sera l'essentiel des informations en Afrique et en Inter. Justement, je rebondis sur cette information française où le chef de l'État sortant, on l'a vu carrément copter le nouvel entrant et le porter par la main pour lui montrer un peu comment les choses se passent. Cela va complètement à l'antipole de ce que nous avons vécu ici ou de ce que nous vivons, n'est-ce pas, dans les pays africains. Roméo Alitano, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, Valentin Ajibocha, c'est la preuve que sous d'autres yeux, la démocratie vit véritablement, puisque on a vu un peu le parcours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a notamment passé un bon nombre d'années à l'Élysée, donc il a eu à côtoyer François Hollande pendant des années. François Hollande qui n'a pas marchandé son soutien pour le second tour à ce jeune économiste-là. Aujourd'hui, il est appelé à le remplacer à l'Élysée, donc c'est à croire que c'est et on a vu aussi la position du Parti socialiste, le Parti socialiste qui soutient Emmanuel Macron. Donc c'est tout à fait normal que les deux s'entendent pour parler notamment de l'investiture de ce dernier. Et pourquoi pas échanger les informations qu'il faut avant que François Hollande ne prenne congé de l'Élysée. Brice Bilaïtédi, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, qu'un opposant, quelqu'un qui sort, c'est la première fois d'ailleurs en France que quelqu'un qui sort de nulle part prend le pouvoir. Il a mis sa formation politique en place il y a moins d'un an, il prend le pouvoir et en même temps on a vu au niveau de la classe politique française
de recomposition pour le soutenir et d'autres d'ailleurs qui définissent leur ligne déjà avant que le candidat ne prenne position. Est-ce que, alors qu'au Bénin, dans le temps, on a vu comment toutes les difficultés qu'on a eues entre Boni Yayi et Patrice Talon, ira-t-il à la présidence ou pas? Finalement, ça a été fait. Quelle lecture? Ça a été fait dans des conditions que vous savez, tout le monde avait l'esprit, le regard dirigé vers la présidente de la République parce que les deux, vous connaissez l'histoire. Moi, je pense que c'est la meilleure transition. En France, c'est une transition qui doit faire école. Ça doit faire école, honorable, votre avis? Oui, mais exactement. Ce qui s'est passé en France, ils étaient dans un pays africain, on va dire voilà, tous les hommes politiques décident de soutenir. Et c'est le cas du Bénin. Le président Talon est venu, les hommes politiques décident de soutenir le Bénin et ça devient un problème chez nous. Voilà, nous avons toujours, nous aimons du sensationnel chez nous. Voilà, je vais demander votre mot de fin. À quoi doit-on s'attendre à l'Assemblée nationale? On doit s'attendre à quoi? D'ici à là, il y aura la recomposition des groupes parlementaires. Le sort des FCBE? Non, mais le sort des FCBE. On a aujourd'hui deux groupes. Il y a un groupe de 13 qui. Un groupe qui a déjà fait la déclaration, qui a démissionné de nos groupes, qui n'est pas de bloc. Un groupe de 15 qui pense qu'il faille soutenir le président dans son programme d'action du gouvernement. Et là, on est obligé de revoir la recomposition. Donc, bientôt, vous allez voir les déclarations à la tribune qui fixent. Cette déclaration fixera le nombre de groupes parlementaires qu'on aura désormais au niveau de l'Assemblée. Par rapport à votre localité, qu'est-ce que vous attendez? Par rapport à ma localité, mais le PAG, j'étais avec, aux côtés du président, président de l'Alliance ABT, le ministre d'État. Et il a expliqué à nos populations, et j'ai senti qu'elles étaient vraiment d'accord. Parce que vous savez, nos populations font confiance. Attendre. Je ne dis pas que ce qui est prévu, je ne prédis pas. Je prie que ça soit fait pour le bonheur des populations, mais il n'y a pas ce président qui soit contre une frange donnée. Et je pense que nous avons foi en lui que ce qui a été prévu sera fait. Parce que vous oubliez, un des pôles touristiques, un des pôles des plus grands, du Bénin, c'est l'Atakoura. C'est l'Atakoura. Merci. Je pense que le gouvernement a prévu beaucoup dans ce sens. Et si c'était fait, il y aura de l'emploi pour les jeunes. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Si tout le monde se plaint, c'est parce que tout semble bloqué pour le moment. Nous prions que le président de la République prenne des dispositions idoines pour que le peuple le comprenne. Voilà, que le président prenne des dispositions pour que le peuple le comprenne. Brice Bill, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à l'honorable que j'ai l'impression que le temps ne lui a pas suffi, mais il peut revenir quand il voudra. Merci. Romeo Alitano. Ce fut un plaisir de partager ces 90 minutes avec les téléspectateurs de GovTV Africa et prenez déjà le rendez-vous de demain avec Valentin Adjiboucha et une autre équipe. Voilà, on a annoncé, n'est-ce pas, le débat sur les États-Unis avec le limogeage de Comey. Mais on va revenir sur cette information demain et on aura le temps de faire suffisamment le débat. Merci, honorable Bangana, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à Rox Aissou et toute son équipe. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette émission ait lieu, à toute l'équipe de la rédaction et de la diffusion de cette émission. Merci à chacun et à tous. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence.